Africa de Liberté, connectez-vous, connectez-vous rapidement, connectez-vous. Mesdames et messieurs, connectez-vous rapidement. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Voilà, ce soir, je ne vais pas trop intervenir. On va aller très rapidement. Donc, je vais laisser le temps à tous nos frères et sœurs. Voilà, connectez-vous, commencez à partager la vidéo. Connectez-vous, faites comme moi. Je suis actuellement en train de partager. Donc, partagez, invitez vos amis, taguez vos amis. Venez, connectez-vous. Alors, chers amis, j'espère que vous portez bien, j'espère que tout se passe bien en cette soirée de vendredi 1er décembre 2023. Voilà, nous sommes en décembre, c'est un nouveau mois qui vient de commencer. Que Dieu soit avec vous, qu'Allah vous assiste dans ce nouveau mois, qu'il vous apporte tout ce que vous avez besoin pour le bon fonctionnement, déroulement de vos différentes vies. Alors, qu'il soit avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Voilà, c'est très important. Alors, Afrique de Liberté, sans plus tarder, ce soir, rapidement, on va rentrer en profondeur et vous donner, en tout cas, les informations fraîches. Depuis donc le Burkina Faso, il faut dire que les nouvelles sont très bonnes, voilà. Et les gens veulent venir négocier, les gens, ils savent que les carottes sont cuites. Aujourd'hui, Afrique de Liberté, figurez-vous que les gens qui n'étaient pas prêts hier, yeah. Des gens qui se sont alliés avec des gens pour imposer des sanctions très fatales au Burkina Faso, au Mali, au Niger, parce que tout simplement, ils ont décidé de prendre l'indépendance. Figurez-vous qu'aujourd'hui, ça court de partout pour demander pardon parce que l'alliance, voilà, des États du Sahel, l'AES est en train de monter en puissance. Et quelque chose est en train de naître. Quelque chose bientôt va naître. Quelque chose qui est tellement grand, si on peut le dire, qui est en train de tout bouleverser. Afrique de Liberté, pour ne pas trop parler ensemble, écoutons cette vidéo. Et vous allez en tout cas comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre que l'Afrique n'est plus en tout cas cette Afrique d'hier. Notre histoire, nous sommes en train de changer l'histoire de notre Afrique. Écoutons ensemble cette vidéo et rapidement, si on a encore le temps, en tout cas, on va intervenir. Sinon que, protégez cette vidéo avec des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner si c'est donc la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, c'est très important. Écoutons ensemble cette vidéo et à tout à l'heure. On y va. Honte, écrivez, oh honte. Vous êtes là? Oh honte. Oh honte à la, comment on appelle, à la BCAO, qui se rappelle qu'elle avait sanctionné le capitaine Ibrahim Traoré. Bon, elle avait sanctionné même le Burkina Faso. Tout un pays membre de la BCAO, elle a sanctionné ce pays-là. Elle a sanctionné le Niger, elle a sanctionné, comment on appelle, le Mali. Et aujourd'hui, vous amenez votre gouverneur pour aller rencontrer Ibrahim Traoré, pour lui dire que oui, le président, vous avez eu une injustice. C'était vraiment pas bien qu'on puisse sanctionner un pays membre. Parce qu'on est ensemble. On joue, hein, on travaille ensemble. Et qu'on va remédier à cette situation. On va faire de telle sorte que vous retouchez votre argent. Ah mais non. Parce que depuis un moment, ils apprennent par des réseaux sociaux. Ils apprennent même dans les couloirs. Dans les, parce que les gens de la monnaie, de la banque, savent quand quelque chose est en train de se tramer, se préparer. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES, hein, ils ont décidé quoi? L'Alliance des États du Sahel, ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de créer leur monnaie et de sortir du franc CFA. Voilà la vérité. Voilà ce qui fait courir le gouverneur de la BCAO. Mais ce n'est pas le gouverneur en tant que lui. Ce n'est pas le gouverneur en tant que lui. Emmanuel Macron a diligenté le gouverneur, a actionné le gouverneur de la BCAO pour dire si jamais ces trois pays la sortent du franc CFA, on est foutu. On est mort dans le film. Si jamais ces trois pays-là fabriquent leur monnaie et qu'ils ont leur monnaie, désormais,
le franc CFA sera vomi, sera craché. Hein? Même si les gens en parlent, on avait proposé l'écho. On a proposé l'écho, donc allez leur dire qu'il ne faut pas qu'ils vont sortir du franc CFA. Que actuellement là, on est en train de régler leur cas. On est en train de voir pour gérer leurs problèmes. C'est fini. Assimi Goïta n'en veut pas. Ibrahim Traoré n'en veut pas. Tiani n'en veut pas. C'est fini. Votre franc CFA, vous pouvez, comme on appelle, le foutre là où vous voulez. Vous pouvez foutre votre monnaie là, là où, où nous on pense là. On n'en veut pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni tous les jours. Quelle honte. Quelle honte. C'est aujourd'hui, vous savez que le Burkina souffre. C'est aujourd'hui, vous savez que vous avez, comment on appelle, infligé des sanctions inhumaines à ces pays-là. C'est aujourd'hui, vous le savez. C'est aujourd'hui, vous le savez. Petit mouton. Voilà, on m'a dit de ne pas insulter. Bon, il y a des gens qui font qu'on est obligé de dire souvent des petits mots comme ça. Mais attendez. Il y a quelqu'un qui dit que je mens. Donc, je ne vais pas l'insulter, mais je vais lui faire, je vais même pas le bloquer. Je vais lui faire écouter, et puis il va savoir que je ne suis pas un menteur. Parce que quand tu n'es pas informé, et que tu viens sur le direct d'Hervé Didier, il faut écouter quand il t'informe. Et puis, il faut la boucler. Ferme ça. Ferme ta gueule. Et puis, Souleymane Dosso, je suis au travail. Tu vois, là, je suis au travail. Tu vois là-bas? C'est ce qui est là-bas au mur, là. C'est vidéo surveillance. Je suis au travail. Je ne suis pas chez moi. Je suis au travail. Voilà. Donc, Mehdi, va au travail. Tu vois comment tu n'es pas intelligent. Je suis au travail comme ça. Moi, je travaille, voilà. Je suis à l'aise, tu vois. Ça, c'est pas dans ma chambre. Qu'il y a tous ces clés-là. C'est pas dans ma chambre. C'est au travail. Bref, quelqu'un aussi m'a dit, quand j'ai demandé qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi, quelqu'un m'a dit que je réponds souvent aux moutons. Donc, faut pas que je réponde aux moutons. Donc, j'ai compris. Donc, j'ai compris. Je vais pas répondre aux moutons. Voilà. Je vais vous montrer. Parce que comme il dit que je mens, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter parce que c'est dans la vidéo d'un ami activiste, la voix des sans voix, c'est là-bas que j'ai pris, hein, le message. Attendez, je mets ça. Je mets, vous allez écouter. Famille, c'est l'échec total. Lorsque Macron et Draman Ouattara, c'est-à-dire les patrons du CFA, essaient de convaincre Assimi Goïta, Abou Yaman. Attendez, je vais vous montrer. Parce que c'est mon petit qui a fait la vidéo dessus. C'est l'échec total. Ils essaient de convaincre les présidents de ces pays-là, de le Mali, le Burkina et le Niger, de rester dans le CFA. Chers frères, vous allez sur cette vidéo, mais je vais vous demander de pousser énormément les plus de prendre. Voilà, je suis au travail. Voici mon badge. C'est parti. Toujours en train de raconter vos vies. Faut aller au travail, faut aller au travail. Écoutez très bien ce qui se passe. Regardez. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé le vendredi 24 novembre une audience au gouverneur de la BCAO. À sa sortie de l'entrevue, Jean-Claude Kassibou indiquait avoir fait au chef de l'État le point sur la situation économique dans la zone Yomoa. Le gouverneur de la BCAO a affirmé que la croissance reste solide en dépit des effets induits sur la communauté, de l'impact négatif des sanctions infligées au Niger, qui sont, il faut le rappeler, injustes, illégales et inhumaines. Nous avons surtout indiqué que, au plan économique, la croissance quand même reste solide. On devrait vraiment finir l'année, puisque nous sommes en novembre, avec une croissance au-dessus de 5%. Que les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. C'est vrai qu'il y a un de nos États qui est sous sanction. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une sanction, ça impacte d'abord le pays. Et comme nous sommes dans une communauté, c'est certain qu'il y a également des effets induits par rapport à ça. Nous souhaitons que les discussions en cours permettent vraiment, autant que faire le plus rapidement possible, de pouvoir évidemment passer ce cap et puis que nous puissions continuer notre marche en avant. Mais pour le professeur Boubenama, voilà. Il s'agit d'une tentative inavouée de la France pour convaincre avec des arguties les uns et les autres de la fiabilité de cette institution criminelle. L'enseignant chercheur encourage même les États membres de l'AES et le Togo à quitter cette institution à la solde de l'impérialisme français. Je le cite. La BCAO, on l'a suffisamment dit et écrit, n'est qu'un instrument de défection entre les mains de l'impérialisme français. Que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo quittent cette institution, même s'il faut adopter le troc, comme moyen d'échange entre nous d'abord et entre nous et ceux du reste du monde, sans la France bien sûr, ensuite. Fin de citation. Professeur Goubenema s'est ensuite interrogé sur la monnaie qui était utilisée dans les empires du Ghana, du Mali, du Kanem-Bornou, du Songhai, de Sokoto, du Masina, du Wassourou et les royaumes Mossi et Gourma. Pourtant, ces entités politiques avaient des échanges commerciaux avec les pays méditerranéens et de l'Orient, a-t-il rappelé. À l'enseignant chercheur révolté d'ajouter, je le cite à nouveau, que les pays qui souhaitent rester dans le giron français le demeurent, c'est leur droit absolu. Mais il n'est pas question pour nous de continuer à servir de vache laitière à la France à travers le franc CFA. De toutes les façons, ce ne sont pas les propos tenus par ce gouverneur à la solde de Ouattara et de la France qui freineront l'élan vital et souverainiste des Sahéliens. Fin de citation.
à professeur Boubenemaïwa de conclure que l'IOMOA soit donc amputé de ces quatre pays et qu'une oraison funèbre soit prononcée sur la tombe de la BCAO. Là réside le salut. Voilà. Vous l'avez entendu. La dernière fois, j'ai dit. C'est fait. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. La honte est en train d'emporter sur eux. La honte est en train de les prendre. Ils ont honte. Ils savent plus où mettre la tête. Ils ont décidé, alors, de... Allez. Ils ont décidé. Vous comprenez maintenant ce que j'étais en train de dire? Celui qui disait que je mentais là. Je viens de faire écouter quoi? Le gouverneur de la BCAO va au Burkina Faso. Il n'est pas allé au Niger où ils ont sanctionné là. Il va au Burkina Faso pour dire que il faut commencer à discuter et que ça a été des sanctions qui n'étaient pas bien que ils ont donné au Mali, au Burkina et au Niger. Pourquoi ils sont en train de courir? Pourquoi ils sont en train d'aller vers ces pays-là? Pourquoi ils décident maintenant là d'aller vers ces pays-là pour discuter, pour que, comment on appelle, ils puissent lever les sanctions parce qu'ils savent que ces pays-là veulent quitter le franc CFA. Ils savent que si ces pays-là quittent le franc CFA, c'est gâté. Donc Alassane Dramane Ouattara appelle le gouverneur avec ses patrons, ses maîtres, ils appellent le gouverneur de la BCAO pour dire d'aller au Burkina, aller les dissuader, aller leur parler pour dire on va vous donner des milliards. Si vous restez avec nous, on va vous donner des milliards. On va décaisser des milliards pour tous vos projets, pour toutes vos entreprises, pour tout ce que vous désirez faire. On est prêt maintenant à vous ouvrir les pompes de l'argent. Ça va couler à flot. Parce qu'ils voient le danger. Pour eux, le danger, c'est que l'AES commence à avoir sa propre monnaie, à fabriquer sa propre monnaie. Ils ont peur que l'AES fabrique sa propre monnaie. Ils ont peur que l'AES puisse créer sa monnaie. Ça va faire chuter eux-mêmes leur monnaie parce qu'ils ne pourront plus agir au niveau du Mali, au niveau du Burkina et au niveau du Niger. L'uranium est acheté en franc CFA. Si le Niger a sa monnaie, l'uranium sera acheté avec la monnaie du Niger, du Burkina et du Mali. Ça sera l'argent de cette alliance-là qui va circuler. Si vous n'avez pas l'argent de cette alliance, vous ne pourrez pas avoir l'uranium nigérien. Vous ne pourrez pas avoir l'or malien. Vous ne pourrez pas avoir. Vous ne pourrez rien avoir. Donc, ils ont peur. Parce que dès qu'il aura ça, il aura une chute dans leurs entreprises ici. Leurs entreprises vont commencer à prendre un gros coup. Donc, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils envoient le gouverneur là-bas, les amis. Vous m'entendez? Quelqu'un a dit son, le son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc voilà le combat qui est en train d'être mené. Voici le combat qui est en train d'être mené. Les gens ont décidé. Voilà. Kouabla, Anthony dit oui. Donc vous m'entendez. Celui qui ne m'attend pas là, il faut mettre volume chez toi là-bas. Voilà, c'est que ce n'est pas chez moi. Voici comment ils sont en train de pleurnicher derrière ces pays-là. Voici comment ils sont en train de pleurnicher. Ils sont en train de pleurer parce que ces pays-là veulent quitter le franc CFA. Cette monnaie coloniale. Cette monnaie impérialiste. Il faut que ça soit désormais. Il faut que Assimi Goïta, il faut que Ibrahim Traoré, il faut que Tiani décide de ne pas tomber dans ce piège-là. Et tel que je les connais, tel que je les vois, tel qu'ils savent que leur peuple les suive, Bakounadi, Michel Koulibaly, big up à toi. Comme ils savent que le peuple africain en général les soutient, ils ne peuvent pas s'amuser à prendre cette monnaie de la BCAO là. Ils ne vont pas laisser leur projet de création de monnaie. Il faut saluer ça. Il faut encourager ça. Il faut continuer à dire à Ibrahim Traoré, à Tiani et à Assimi de ne pas tomber si bas. Parce que comme on le disait tout à l'heure, dans les années antérieures, les années passées, les siècles passés, nos parents utilisaient quoi pour les échanges? De la monnaie. Ils utilisaient de la monnaie, mais quelle monnaie? Quelle monnaie? Ils arrivaient quand même à troquer des choses. Tu donnes igname, je te donne manioc. Tu donnes banane, je te donne du riz. Voilà comment ils faisaient les échanges. Ils ont amené un papier sur lequel ils ont mis des chiffres et ils ont appelé ça monnaie, argent. Aujourd'hui, ils tiennent le monde avec ça. Ils nous tiennent avec ça. Il faut qu'on refuse. Oui, on dit quoi si big up à toi, c'est le troc. Il faut qu'on refuse ça. Donc si ça a commencé par le Mali, le Burkina et le Niger,
Il faut que les autres pays rentrent dedans. C'est pour ça qu'ils ont parlé du Togo. Parce que le Togo était aussi à la base avec Olympio. Vous vous rappelez de ce président assassiné par Yassine et Adema? Olympio avait parlé de monnaie. À cause de ça, ils l'ont tué. Donc, le Togo doit rentrer dedans. Le Togo doit se mettre avec les pays membres de l'AES pour créer la nouvelle monnaie. Et puis, ça va commencer à prendre parce que les autres seront obligés de travailler avec. Les amis, comme j'ai dit, j'ai voulu essayer pourquoi on se parle ce matin. Je n'ai pas trop parlé de partager, je n'ai pas trop parlé de mettre des cœurs. Maintenant, vous voyez, on traîne entre 100 et puis on revient à 80. Donc, ne me faites pas perdre mes abonnés ou ma visibilité. Quand je continuais de dire, même si ça vous agace, il y en a que ça n'agace pas. Il y en a que ça rappelle. Quand j'ai dit mettez des cœurs, quand j'ai dit partagez là, il y en a que ça n'agace pas. Donc, moi, j'ai fait un test. J'ai vu que vous ne partagez pas. Parce que si vous partagez, ça allait monter. La vidéo, pourtant le sujet, il est important. Même si c'est matin, la vidéo devait monter. Mais si c'est bloqué là, que ça ne monte pas, ça veut dire que vous n'avez pas assez partagé. Donc, désormais, je vais continuer de répéter, partager. Parce que ceux que ça fatigue là, ils ne veulent pas partager, mais ils veulent m'empêcher de faire avancer ma chose. Voilà. Quand vous critiquez, donc agissez selon votre critique. Vous critiquez, puis vous ne faites pas. Vous dites, ne pas dire partager, mais vous ne partagez pas. Donc, en fait, vous voulez faire en sorte que ma vidéo reste à 10 personnes, 20 personnes. C'est ça? Si c'est un nouveau plan pour pouvoir me casser, ça ne va pas passer. Voilà. Donc, je vous laisse ce matin. Je vais reprendre une autre vidéo pour en parler, pour parler d'un autre sujet. Et puis, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Tu es Togolais? Hein? Kobla? Kobla Anthony? Tu es Togolais? D'accord. C'est vous les Togolais qui avez fait le truc. Qui avez créé, qui avez commencé déjà ce combat aussi de monnaie. Donc, il faut que le Togo se joigne à ces trois pays-là pour être encore plus fort. Nous, Côte d'Ivoire, on arrive bientôt. Voilà. On arrive bientôt. Alors, chers amis, chers Africains, chers Panafricains, chers Panafricains, nos chers peuples d'Afrique, c'était l'intervention de votre serviteur, l'amiral Boafet. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de vendredi 1er décembre 2023. Partagez la vidéo, partagez massivement cette vidéo-ci. Invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner. N'oubliez pas d'aller aussi vous abonner sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y vous abonner massivement, Frères de Liberté, parce que nous sommes en train de voir le jour. Le jour est en train de naître en Afrique. Et bientôt, bientôt, nous allons sortir du tunnel de la vérité. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. On est ensemble et bonsoir chez vous.